Cette visite a une importance extrêmement particulière puisque elle s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations stratégiques déjà excellentes entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Arabie Saoudite. Cette visite est importante parce qu'elle comprend plus de 90 personnalités, dont 20 personnalités publiques et plus de 60 personnalités privés du monde des affaires qui sont venus explorer les possibilités de renforcement des échanges et des investissements entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Arabie Saoudite. Nous sommes aujourd'hui fiers d'avoir remis ces relations commerciales à leur niveau et d'avoir inscrit cette relation dans la régularité pour pouvoir avoir un espace de travail et un plan de travail que nous exécutons de manière très précise. Nous sommes aujourd'hui aussi prêts pour signer deux conventions extrêmement importantes, l'une au niveau de la normalisation pour faciliter les échanges et la reconnaissance des normes mutuelles entre les deux pays, ce qui renforcera et ce qui réduira les barrières au niveau des échanges commerciaux entre les deux pays, et la deuxième au niveau du halal, ce qui est de nature aussi à renforcer la dynamique des échanges au niveau des produits alimentaires et des produits agro-industriels.